gentilasse chi el vel pusè. Partire. Per andare dove? Tutta la regione ormai è circondata, non si esce più. Ci sarà un modo. Ma c'è l'esercito che controlla i posti di blocco. Se mi trovi un buon cavallo, passerò. Forse. Tu. E dove andrai? Voglio tornare in Italia, Giuseppe. In Italia? Ma sarai denunciato un'ora dopo che hai attraversato il confine. Molto bene. Mi batterò. Se mi faccio uccidere, sarà almeno per qualcosa. Qui moriremo tutti per niente. Trovami un cavallo, Giuseppe. La route de l'Italie dans deux heures. Tout s'est décidé cette nuit. J'irai d'abord à Milan, car j'emporte avec moi l'argent collecté ici, pour notre cause, auprès des patriotes en exil. Giuseppe le faisait envoyer chaque mois jusqu'à Marseille, et un bateau l'emportait jusqu'à Gênes. Mais cela n'est plus possible. L'épidémie a tout arrêté. Cet argent, nos frères l'attendent à Milan. Ils en ont tant besoin pour les combats qui se préparent. Vous ne m'aviez jamais dit ça ? Il faut de l'argent pour se battre. Milan. Y serez-vous encore ma mère ou bien serez-vous revenu à Turin? Cette lettre dont je me demandais si elle pourrait vous parvenir, c'est finalement moi qui vous l'apporterai. Je vous regarderai la lire sur la terrasse de votre chambre, avec ce geste impatient de la main que vous avez quand vous tournez les pages. Je verrai derrière vous dans le parc le grand peuplier en haut duquel vous me faisiez monter lorsque j'étais enfant, pour m'apprendre à vaincre ma peur. Ugh.
Mio padre. Hanno preso mio padre. Bisognava farlo, dovevo. Il est mort ? Oui. Vous le connaissiez ? Oui, depuis l'enfance. Revenez, madame, revenez ! Vous l'avez touché, vous leur faites peur ? Je vois, oui. Et vous ? Quoi, moi ? Je ne vous fais pas peur ? Tenez. Non, madame, non ! Ce sont des amis à vous ? Les amis, je ne les connais même pas. Je pense qu'à sauver leur argenterie, je ne peux plus les supporter. Pourquoi restez-vous avec eux ? Cette nuit, un officier est venu, il a dit que peut-être il nous obtiendrait des laissez-passer. C'est faux. Il ne donne plus de laissez-passer. Il reviendra pour vous emmener dans une quarantaine. Vous savez ce que c'est qu'une quarantaine ? Ça sert à faire mourir les gens plus vite. Pourquoi me dites-vous cela ? Je n'entends que ça toute la journée. Je tourne en rond dans ces collines à chercher un passage, à me faire insulter par des soldats ivres. Si vous voulez, venez avec moi. Où ça ? Par là, par la rivière. Mais j'ai essayé, qu'est-ce que vous croyez ? Là-bas aussi, il y a un barrage. Combien sont-ils ? Combien de soldats ? Une dizaine, peut-être 20. Il y a des dragons avec eux ? Des cavaliers ? Non. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Il faudrait seulement vous trouver un cheval. J'en ai un. Où est-il ? Là-haut. Ah bon ? Mais alors, nous pouvons partir tout de suite. Allez le chercher. Vous avez un sac ? Attendez, je vais monter avec vous. Vous n'avez pas confiance ? Comme vous voulez. J'aurais aimé vous aider. Après ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai rien fait. Vous m'avez fait du thé quand je mourrais de soif. Plus nombreux qu'hier. Il n'y a pas que ça qui m'inquiète. Quoi, qu'y a-t-il ? Le soleil se cache. Qu'est-ce qu'il fout de ces deux-là ? Allez-y, mon Jean. J'y vais, ne bougez pas. Où vous allez, là ? Ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi payer. Y a rien à payer, demi-tour et elle aussi, là-bas. C'est combien ? On m'a dit 7 francs. Nous sommes deux, ça fait 14. Fais pas le couillon, toi. Bon, j'arrondis à 20. À qui je les donne ? Descends ton cheval ! Vous voulez plus ? Eh bien, dites-le combien ? Arrête ou je te colle un pruneau ! Oh ! Ça en douille, et on n'y voit rien. J'avais raison, non ? Toujours se placer pour que l'ennemi ait le soleil dans l'œil. J'espère que vous n'oublierez pas. C'est promis. Vous parlez comme un officier. Je suis colonel. Colonel ? Ça existait, colonel de votre âge ? Oui, en Italie.
Votre cheval est très bien, je vous félicite. Je suis contente qu'il vous plaise. Comment l'appelez-vous? Je ne sais pas, je l'ai volé à Manosque. Si vous allez en Italie, vous devez continuer jusqu'à Digne. Oui, oui. Alors nous nous quittons là, moi je prends la rue de Sisteron, là dans la vallée. Vous allez à Sisteron? Non. Vous allez où? Plus au nord, vers Gap. Mais c'est très loin. Je connais la route, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà perdu tellement de temps. Merci de votre aide. C'est une chance de vous avoir rencontré. Sans vous, je serais encore... qui sait où. Au revoir! Peut-être. Ce matin, nous ne sommes pas passés inaperçus. La route de la vallée, n'y pensez plus, vous serez arrêté 20 fois. Il faut passer par la montagne. Je ne connais pas le chemin. Je vais vous accompagner. Ce n'est pas du tout votre route. Je rejoindrai l'Italie par les Alpes, par Briançon. C'est beaucoup plus long. Un peu, oui, ce n'est pas grave. Non, je ne veux pas, je refuse que vous changiez vos plans. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi, je peux très bien voyager seule. Non. Vous ne me croyez pas capable? Je ne laisse pas une femme en pleine épidémie dans un pays où tout peut arriver. Et si je vous interdis de me suivre? Je viendrai quand même. C'est mon devoir de vous aider, sinon j'aurai honte. Je suis comme ça, j'ai été élevé comme ça. Maintenant, je peux savoir où vous allez? À Théus. Où est-ce? Près de Gap. Allons-y. Je n'aimerais pas être un de vos soldats. Moi non plus. Là aussi, les gens sont partis, on dirait. La grange, là. Il y a sûrement de la paille. Vous pourrez vous reposer. Je ne suis pas fatiguée, je peux continuer. Oui, mais dans une heure, il fera nuit. On ne verra plus rien. Partez ! Sauvez-vous ! Je ne peux pas. Vous ne voulez vraiment pas faire de feu? Vous avez froid? Oui, un peu. Mais qui nous verra si nous faisons du feu? Nous sommes à 100 lieues de tout. Nous ne sommes pas à 100 lieues, et je sais ce qui se passe dans la tête des dragons. Cette nuit, il y a au moins 30 éclaireurs qui se promènent dans la nature en écarquillant les yeux. Je ferai du feu dès qu'il fera jour. C'est un garçon tellement organisé. Vous êtes d'une famille de militaires? Je crois, oui. Comment ça, vous croyez? Je n'ai pas connu mon père. Ah.
Il est venu en Italie avec Bonaparte, puis il est reparti. Je ne sais même pas s'il est mort ou vivant. D'ailleurs, personne ne le sait. Mettez ses bas. J'en ai déjà. Mettez-les pas dessus, il ne faut surtout pas avoir froid aux jambes. Je n'ai jamais mis de bas de laine de ma vie. Faites ce que je vous dis. Ce pays ne vaut pas mieux que celui que nous avons quitté. À quoi servent les barrages, alors? À rien. Le choléra ne s'arrête pas gentiment quand il voit un soldat. Excusez-moi. Tout cet argent est à vous? Non, on me l'a confié. Vous l'emmenez en Italie? Oui. Pourquoi êtes-vous venu en France? Pour vous cacher? Oui. Où étiez-vous? À Aix. À Aix. J'y ai passé presque 3 mois l'année dernière. Vous y étiez déjà? Oui. Nous aurions pu nous rencontrer. Vous sortiez beaucoup? Jamais. Oui, bien sûr. J'aime cette ville, vous savez, j'ai beaucoup d'amis. Où sont-ils aujourd'hui? Comme nous, sur les routes. Ou enfermés dans leur maison sans oser respirer. C'est plus fort que moi. J'ai l'impression que tous ceux que j'aime, tous ceux que j'ai connus vont disparaître. Un jour, cette horreur sera finie, mais pour moi, le monde sera vide. Vous entendez? Quelqu'un joue. C'est de l'autre côté de la vallée. Mozart, danse allemande. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est fini. Excusez-moi. Je l'entendais. Il était là près de moi, je dormais, mais je l'entendais. C'était comme une voix. Il m'a parlé très doucement. Il me faisait la cour. Je pouvais plus bouger comme si j'acceptais. Comme si j'étais déjà d'accord. J'ai ouvert les yeux. Il a sauté sur moi. Il m'a frappé avec son bec. Où? Vous vous êtes-il frappé? Venez. Vous avez trouvé de l'eau? Oui. Je vais pouvoir faire du thé. Non, pas ici, plus tard. J'avais pensé à tout sauf aux oiseaux.
Ils ne craignent plus l'homme depuis qu'ils en mangent tant qu'ils veulent. Vous l'avez touché ? L'oiseau ? Oui, enfin un peu. Levez-vous. Tendez vos mains. Frottez-les. Frottez-les. Non, ne craignez rien, écoutez-moi. Oui, ben je vous entends, là, c'est bon, pas la peine de souffler dans la figure. Bon, le chemin là en face, vous savez où il va ? Ben, il retombe sur la grande route. La grande route de quoi ? La grande route de tout ! On va où on veut. Mais je vous conseille pas, vous allez vous faire pincer par les dragons. Et là-bas, de l'autre côté ? Ça vous mène à Sorbier. Et là-bas non plus, je vous conseille pas, hein. Ils ont tous passé l'arme à gauche. Têtu comme du bois, ils ont pas voulu du remède. Quel remède ? Ben, le mien, pardi, mon élixir. Vous en voulez ? C'est rien que des plantes et je vais les chercher loin. Ah, j'en ai sauvé du monde avec ça. Vous le vendez ? Ben évidemment, vous voulez pas que je le donne, non ? 3 francs. Est-ce que ça compte quand on a le feu au cul ? Oh, remarquez, j'en ai donné une fois ou deux. Mais ça n'a pas marché. Il faut payer pour que ça agisse. C'est comme pour tout. Tenez ! Bon, je vous l'achète et j'ajoute 10 francs. Nous allons vers Gap. Dites-nous pas où passer pour être tranquille. Oh, mais Gap, c'est loin, hein ? Ça vaut bien 2 louis. C'est beaucoup trop, n'acceptez pas. C'est d'accord. Ça vous mènera à un embranchement. Vous verrez, il y a un moulin. Et alors là, attention, vous prenez à droite, pas à gauche, hein, marquez-le. À gauche, ça vous emmènerait à Monget, et ça, c'est mauvais comme tout. Monget ? On passe par Monget ? Ah non, justement, faut éviter. Pourquoi ? Mais c'est plein de soldats. Une vraie garnison. Ils n'ont pas eu un seul malade là-bas. Alors pensez, les gens se protègent. Faut que j'aille à Monget. Faites pas ça, vous êtes bon pour la quarantaine. Vous connaissez un monsieur Pérol à Monget ? Pérol ? C'est le maire du patelin. Absolument, je le vois. Vous savez où il habite ? Bah oui, mais attendez, ça vous fait un sacré détour si vous allez à Gap. Vous permettez ? Je peux vous dire un mot ? Vous n'allez plus à Théus ? Si, enfin, plus tard. D'abord, j'aille à Monget. Là, maintenant ? C'est très important, vous comprenez ? Non. Non, je ne comprends pas. On vous dit que c'est plein de soldats. Ne vous inquiétez pas, continuez votre route. Vous avez perdu suffisamment de temps avec moi. En Italie, vos amis vous attendent. Cet homme me conduira. N'est-ce pas, monsieur ? Vous pouvez m'emmener à Monget ? Ah bah, ça dépend. Je vous paierai, n'ayez pas de soucis. Vous pourrez me faire rentrer en ville ? Oui, je sais pas, il faudra voir. Tenez. Touchez pas. Vous êtes totalement inconséquente. Tout à l'heure, vous ne vouliez pas que je lui donne 2 louis, et maintenant, vous lui donnez une bague. Je n'ai plus d'argent. Combien pour nous emmener à manger ? Ah non, non, je ne veux pas ça, j'y refuse. Je ne vous laisse passer avec ce marchand de tisane. Il vous dénoncera à la première occasion, vous n'avez pas compris ? Bon, alors, combien ? 5 francs. Sortez votre boîte. Dans les rues plus haut que les boutiques. Les gens sont devenus fous. Ils poussent des cris, ils se courent après. Et on m'explique que c'est les mouches. Ils me font rigoler avec leurs mouches. Qui c'était que ça ? À Saint-Cyris, il est tombé une averse de crapauds. Et à la Motte, un chien s'est mis à réciter le catéchisme. Attendez, qu'est-ce que vous faites ?
Laissez ça là, ça va vous encombrer. Allons-y. Je vous laisse, hein. Bonsoir. Oh. Me touchez pas. Gardez vos miasmes. Je ne vous touche pas. Allez, venez, c'était pas fini. Vous n'avez plus besoin de moi. Vous restez avec nous. Mais pourquoi? C'est comme ça. Vous avez peur que je vole vos chevaux? Entre autres. Oh, je vous jure. Ah non, vraiment, c'est beaucoup, hein. Aller pleurer sur les malheurs des ouvriers, alors là je dis gare. Il soutient le parti de l'émeute. Ne vous mettez pas un bandeau sur les yeux. Excusez-moi. Je pourrais voir Monsieur Pérol? Ah, il vient juste de sortir. C'est à quel sujet? Je suis Madame de Théus. Oh mon Dieu, mais ne restez pas devoir rentrer, Madame, entrez. Je suis Madame Pérol, mon mari va revenir tout de suite, on l'a appelé à la mairie. Faites le tour, je vais vous ouvrir. Yes. Lucien, non, vous venez. Oui, madame, vous êtes à la mairie, allez prévenir monsieur qui cherche tout de suite. Mon Dieu, vite! Hé, hey, qu'est-ce que je fais? J'attends là? Sortez. Excusez-nous, si j'avais pu prévoir. Allez-vous dîner, Madame de Théus? Non. Oh, mais alors, est-ce que je peux me permettre? Voulez-vous qu'on vous serve quelque non, chose? Non, ne vous dérangez pas. Lucienne, apportez un couvert. Madame Barthélemy. Bonne maman, mettez-vous dans la bergère. Madame, je me présente, Joseph Régoard, notaire à Mongey. Bonsoir, monsieur. Mon épouse, Madame Régoard. Madame. Merci, Yvonne, monsieur et Madame Barthélemy. Nous sommes très honorés, madame, votre présence dans notre petite cité. Joseph, laissez Madame la Marquise s'asseoir. Vous l'obligez à rester debout. Pardon. Adrien, je crois bien qu'il n'a pas encore salué Madame de Théus. Si. Laissez-le. Tu vas terminer, oui ou non? Et tu as encore ton gâteau. Depuis quand êtes-vous à Mongey, madame? Je viens d'arriver. Ah bon? D'où venez-vous? De Théus? Non, de Manosque. De Manosque? Ah, mon Dieu, mais c'est l'enfer là-bas. Vous n'étiez pas en ville, au moins? Si, j'y ai passé presque un mois. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Tant de souffrance, tant d'horreur. On ne peut pas l'imaginer. Ces bûchers qui brûlaient nuit et jour, l'odeur. Insupportable. Qu'est-ce qu'on brûlait? Rien. Ah! Non! Oh, non, madame! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Excusez-moi, madame, je ne comprends pas. Comment êtes-vous venue jusqu'ici? Vous avez fait une quarantaine, j'espère. Mon Dieu merci, j'ai échappé. Yvonne! Lève-toi! Écartez-vous d'elle! Venez! Venez! Qu'est-ce qui se passe? Posez les pintades, Lucien! Posez les pintades! Madame, votre attitude, vous êtes... C'est inqualifiable. C'est criminel, madame. Je n'ai pas peur des mots. Doucement, Joseph. Quoi, doucement? Madame n'est pas au-dessus des lois. Vous n'avez donc aucune conscience. Joseph! Elle devrait donner l'exemple et elle propage la maladie. Vous faites beaucoup de bruit, monsieur. Parfaitement! Et je peux en faire davantage! Vous êtes congestionné, vous allez vous faire du mal. Vous êtes une irresponsable, madame. Des femmes comme vous, mais il faudrait les... Non, non. Oui, il faudrait les... Il faudrait les quoi? Il faudrait les quoi? Vous n'avez pas fini votre phrase, monsieur. Moi aussi, j'arrive de Manosque. J'en ai des choses à raconter. J'ai respiré le mauvais air, j'ai avalé les petites mouches. J'ai soigné des malades et elles sont mortes dans mes bras. Où allez-vous? Ne partez pas. N'ayez pas peur, c'est la peur qui tue. Avec moi. Regardez, moi, je vais bien. Je vais parfaitement bien. Et vous, mais laissez-moi passer. Allez, venez, ne restez pas là. Pas chez des gens qui vous insultent. S'il vous plaît, pour une fois, vous pourriez me laisser régler mes affaires toute seule. Surtout que moi, je vous préviens, je vais pas rester planté là jusqu'à demain, hein. Vous avez faim, allez m'attendre avec lui dans le jardin. Pas avoir une bouteille? Achetez-moi!
Laissez-moi passer. Monsieur Pérol. Madame, comment se fait-il? Vous êtes seule? Votre mari n'est pas avec vous? Mais non. Où est-il? Vous ne savez pas? Moi non, mais comment le saurais-je? Mais vous étiez avec lui. Monsieur? Monsieur? Monsieur ma compagne, vous étiez avec lui à Valence. Oui, oui, je... Venez, venez par ici. Ne parlez pas de cette réunion de Valence. Pas devant n'importe qui, c'est très secret, vous le savez bien. Monseigneur était là. J'espérais même vous y voir. Où est mon mari, monsieur Pérol? Mais vous n'avez pas vu à Manosque? Mais non, justement. Et dès qu'il a appris ce qui se passait, l'épidémie qui arrivait, il est parti vous chercher? Quand? Ça fait bien 10 jours. Oh, mon Dieu. La réunion s'est disloquée, moi-même j'ai dû rentrer ici. Mais vous ne deviez pas l'attendre là-bas, chez vos tantes. Je l'ai attendu autant que j'ai pu, j'ai pensé, je ne sais pas, moi. Qu'il n'avait pas pu passer, qu'il était retourné à Théus. L'armée a fait évacuer la ville. J'aurais dû... C'est de ma faute, il lui est arrivé malheur. Venez, asseyez-vous. Asseyez-vous là. Je l'ai vu dans un rêve. Oui. Il marchait sur la route. Avec ce visage noir des colériques. Ce visage de pierre. Il venait vers moi. Il a tendu sa main et brusquement, il est tombé. Son visage, son corps a pris feu. Madame. Madame. Je ne l'avais jamais contrarié, jamais. Vous vous êtes donc querellée? Vous voulez que je vienne à Valence avec lui? Je n'ai pas voulu. Je suis partie de mon côté. Maintenant, il est peut-être... Oh, j'en suis sûre, c'est à cause de moi. Allons, allons, ne dites pas de choses pareilles, pas vous. Je sais plus ce que je dois faire. Restez ici quelques jours. Non, pas ici, non. Pourquoi? Non, je veillerai sur vous. Non, non. Vous n'avez rien à craindre de moi. Je vous admire trop. Je vous suis totalement dévouée, vous le savez, n'est-ce pas? Dites-moi au moins que vous le savez. Je m'en vais. Non, attendez. Mais où allez-vous? En pleine nuit, qu'allez-vous faire? Vous rentrez à Théus? Je ne sais pas, oui, peut-être. Alors écoutez-moi, je vais vous emmener, vous voulez bien? Là-haut, dans les montagnes, vous serez à l'abri. La maladie n'ira jamais jusque-là. Et si Laurent ne revient pas? Il reviendra. Les hommes comme lui ne meurent pas du choléra, vous le savez. Au moins, lui, il sait pour qui il vit. On meurt quand on le veut bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce fourbi-bol? Fichez-moi ça dehors! Allez, respirez, ouvrez, respirez à fond! N'allez pas nous enfumer, imbécile! Il faut désinfecter! Mais ça ne sert à rien! C'est monsieur le curé qui l'a dit! Allez! Je vous en prie, vous rendez votre vie! Dors, la fumée! Dans le sang! Ne restons pas là, madame. Vous aviez raison. Je vais faire atteler la voiture, dans un quart d'heure, nous serons partis. Ce n'est pas la peine. Madame a déjà une escorte. Par ici, mon lieutenant! Vite! Vite! Vous avez des chevaux? Oui, oui. Merci. Et de l'argent, vous en avez? Vos sacoches. Mon lieutenant, il t'échappe! Mais qu'est-ce que vous faites? Sortez! Sortez d'ici! Vous ne pouvez plus voir chez moi! Allez! Eh ben quoi? Il n'y a pas de mal à essayer!
Hein? Halt! Halt! Ne touchez pas, lâchez-moi, j'ai rien fait! Bonjour. J'hésitais à vous réveiller, vous dormiez si bien. Je vous remercie. Je vais partir maintenant. Pas avant d'avoir fait quelque chose. J'ai de la farine de maïs, je vais préparer de la polenta, nous partirons après. Je n'ai pas faim. Si, j'insiste. Il fait froid, vous êtes très pâle, vous devez manger. Non, j'ai déjà trop attendu. Voilà votre manteau. Je vous laisse ma théière. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Si jamais un jour vous revenez en France, vous... Non, mais attendez. Où allez-vous, là? Je retourne à Manosque. Arrêtez-vous un instant. Je vous demande de vous arrêter et de réfléchir un instant. J'ai réfléchi toute la nuit. Ne faites pas ça, ça n'a aucun sens. Vous ne savez même pas où est votre mari. Vous voulez que je rentre tranquillement chez moi pendant qu'il est en train de mourir là, quelque part? Je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Mais vous êtes saine et sauve. Aujourd'hui, vous êtes saine et sauve et vous allez replonger dans l'épidémie. Vous n'êtes pas responsable de ma vie. Vous n'avez aucune chance, aucune. Ni d'arriver à Manosque, ni de trouver votre mari. C'est inutile, c'est stupide, et en plus, vous le savez très bien. On voit que vous n'avez jamais aimé personne. Descendez de ce cheval. Je vous ordonne de descendre. Ah.
Pardon, mademoiselle? Peut-être, madame. Puis-je vous demander votre nom? Je suis le plus ancien ici, et comme je tiens le coup, c'est moi qui organise les corvées. Et oui, hélas, elles sont obligatoires, même pour les jolies femmes. Théus. Madame de Théus. Comme le château? Oui. Ce nom, Théus. Oui. Vous n'avez eu personne à ce nom? Ça m'aurait frappé. Pourquoi vous cherchez quelqu'un de votre famille? Monsieur, je suis colonel des hussards de Sa Majesté le roi de Piémont et Sardaigne. Je rentre dans mon pays, mais je respecte vos lois et désire faire ma quarantaine comme tout le monde. Sergent. Ailleurs. Oui. Là. Allez. Installez ça bien. Vous n'avez pas peur d'avoir froid près de la fenêtre, mon colonel. Je vais vous faire monter une couverture. C'est bon, j'en ai une. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Ça va, c'est bon. À votre service. Ah, j'oubliais, la soupe est à 11h. Et vous auriez pris ? Mon pistolet. J'ai gardé les miens. Je vous en donne rien. J'ai votre théière. Il ne faudra pas toucher à leur cuisine si jamais nous voulons... Vous avez fait exprès. Pardon? Vous avez fait exprès de vous faire prendre. Vous ne pensez pas que j'allais vous laisser ici? J'ai compté les soldats. Ils sont 24 et quelques-uns sont déjà malades. Vous avez vu leur tête? Si je les attire dans l'escalier, je peux les attaquer au sabre. Je n'en aurai jamais plus dedans en face de moi. Je vous défends de vous battre, je ne veux pas. Bien. Et comment allons-nous sortir d'ici, s'il vous plaît? Sortir, mais pour aller où? Je n'ai plus le courage. Vous? Je n'y crois pas. J'étais là tout à l'heure, avant que vous arriviez, je regardais en bas et je pensais... C'est si simple de mourir si bref. Une seconde ou deux, on se laisse glisser. Taisez-vous. On ne peut rien faire, vous le savez bien. La maladie est là, partout. Elle est peut-être déjà en nous. C'est faux. Allez vous reposer. Allez dormir. N'êtes jamais indécis, jamais troublé. Vous savez toujours ce que vous devez faire. Je réfléchis et je fais pour le mieux. Pourquoi êtes-vous resté avec moi? J'aurais pu vous donner la mort aussi bien que n'importe qui. J'ai dormi dans votre manteau. La choléra me craint comme la peste. Je ne connais même pas votre nom. Pardi. Angelo Pardi. Je m'appelle Pauline. Mille pardons, mon colonel. Je vois que je vous dérange. Alexandre Petit, représentant en graines et semences. C'est à propos de ces misérables corvées. Je ne l'ai pas dit à madame, mais je peux vous trouver des remplaçants. Ça vous intéresse? 3 francs par jour. Et pour vous deux, nous dirons 5 francs. Non? À votre service, mon colonel. Faites pas ça. C'est l'argent de vos amis. Je leur rendrai. Moi, je n'en ai plus.
avait que des ennuis. Si vous ne m'aviez pas rencontré, vous auriez déjà passé la frontière. Vous seriez à Milan, près de votre mère. Laissez-moi. Sauvez-vous, échappez-vous. Vous faire du thé. Mozart, danse allemande. C'est un musicien de l'Opéra de Marseille. Il était comme nous sur les routes. Il paraît qu'au début, les gens protestaient. Maintenant, ils ne peuvent plus s'endormir sans lui. J'ai dormi longtemps. Assez longtemps, oui. Depuis ce matin. Non. Je n'en pouvais plus, je ne m'en rendais même pas compte. Moi si, mais vous ne vouliez pas l'admettre. Vous avez toujours raison. C'est très agaçant. Nous allons partir cette nuit. Bien. Vous êtes prête à me suivre? Oui. Vous n'allez pas encore me dire que... Je ne dirai plus rien, je vous le promets. Je ne poserai plus de questions, je vous obéirai comme un soldat. Oh.
Allez, demi-tour, tout le monde remonte. Votre fusil. Lâchez ça. Gardez-vous. Où est mon petit sac? Robert! Attrape! Attention, c'est fragile! C'est là-bas, derrière cette montagne. Votre pays n'est pas loin. De la fenêtre de ma chambre, je vois les Alpes italiennes. Il paraît que ça va mal en bas, là, dans les vallées. Et ici? Vous n'avez pas vu l'armée? Qu'est-ce qu'elle viendrait faire? Personne ne meurt ici, sauf les vieux, comme d'habitude. Nous sommes encore loin? Non, il y a un village à la sortie de la forêt. Là-bas, les gens me connaissent et nous conduiront en voiture. C'est votre territoire? C'est celui de mon mari. Athéus, je pourrais acheter un cheval? On vous en donnera un. Vous partirez dès ce soir? Oui. Si vous voulez rester un jour ou deux? Non. Chez qui sommes-nous? Vous le savez? Non. Elle n'a pas l'air ravie de me voir. Elle n'a pas aimé que vous cassiez sa porte. Où sont ces gens?
croyez qu'eux aussi. Venez près du feu. Asseyez-vous là. Ne bougez pas, je reviens. Où allez-vous? Je vais voir où est la cave. Je viens avec vous. Non, non, restez là, réchauffez-vous. Et vous aussi, vous êtes trempés. Si je trouve du vin, je ferai du vin chaud. Ne mettez pas cette robe. Pourquoi? Elle ne me va pas. Vous ne savez pas qui l'a portée. Nous ne sommes plus au pays du choléra, nous sommes dans le pays où je vis. Et dans ce pays, le soir, je m'habille. Dites-moi au moins si la robe vous plaît. Je ne sais pas. Oui, elle me plaît. Vous savez pourquoi je l'ai choisie? Oui. Pourquoi? Elle ressemble à celle que vous portiez à Manosque. Je me demandais si vous alliez le remarquer. Je vais faire sécher votre veste. Tout de suite. Si, tout de suite. Donnez-moi du vin. Je brûle. Vous avez beaucoup bu, vous n'êtes pas raisonnable. Raisonnable. Je vous admire d'être raisonnable tout le temps, obstinément. Ce n'est pas fatigant pour un garçon de votre âge. Parfois. C'est étrange. Vous êtes si jeune et si vieux à la fois. Plus vieux que mon mari qui a 40 ans de plus que vous. Lui n'a jamais rien fait de raisonnable. J'ai cru le comprendre. Vous ne savez rien de lui, vous ne cherchez même pas à savoir. Vous ne posez aucune question. D'habitude, les gens ouvrent de grands yeux quand je dis son âge, vous n'avez pas bougé un cil. Qu'est-ce que je dois faire? Pousser un cri? Est-ce que je vous suis indifférente? Non. Je sais à quoi pensent les gens. La fille d'un petit médecin. Le grand nom de mon mari, sa fortune. Ils pensent qu'à l'intérêt, toujours. Quand je l'ai rencontré, il était allongé au bord d'un torrent avec une balle dans la poitrine. Mort. J'ai couru chercher mon père. Nous l'avons ramené chez nous. J'avais 16 ans. Mon père l'a soigné. Moi, j'ai veillé sur lui nuit et jour pendant des semaines. Je ne savais pas qui il était ni pourquoi il était blessé dans ce ravin. Je n'osais pas le lui demander, il était si mystérieux. Mon père l'a guéri, il est parti. J'étais sûre qu'il m'avait oublié. Six mois plus tard, il est revenu et il a demandé ma main. Alors restez, parlez-moi, vous ne dites jamais rien de vous. Demain, nous ne nous verrons plus. Il n'y a rien à dire. Si, parlez-moi. Parlez-moi d'elle. De qui? De votre mère. Pourquoi faut-il parler de ma mère? Je ne sais pas, il y a une autre femme dans votre vie. Vous êtes ivre. Est-ce qu'elle sait que vous rentrez en Italie? Non.
Votre sœur vous rentrer pour vous battre, elle vous empêchera de le faire. Certainement pas. Elle attend cette révolution depuis 20 ans. Elle n'a pas peur pour vous? Non, jamais. Il faut partir. Pas maintenant. L'orage est fini, venez. Je suis bien ici. Je n'ai pas envie de partir. Il est tard. Il est tard, oui, dormons ici, nous partirons demain. Allons, venez. Partez si vous voulez, moi je reste. Très bien. Bizarre, vraiment. Vous suivez depuis Manosque, vous étiez mon chevalier servant. Mon ange gardien, peut-être. Pour vous, le temps ne comptait pas et maintenant vous précipitez sur vos bagages comme si vous vouliez vous enfuir. Je ne m'enfuis pas. Je veux partir avant la nuit. C'est comme si j'entendais votre mère. Ne reste jamais seule la nuit dans une maison inconnue avec une femme. Vous savez plus ce que vous dites. Comme vous l'imaginez. Pour elle, je ne suis jamais assez fou. Elle a raison. Pardonnez-moi. Vous retrouverez votre route. Oui. Je reste un peu. Ne vous couchez pas dans un de ces lits. Ne vous occupez plus de moi. Pauline. Non!
C'est moi qui t'ai couvert. J'avais froid. Je me sens si faible. Vous avez failli mourir. Donne-moi la main. Cher Angelo, je ne sais où vous êtes. Et j'envoie cette lettre à Turin où votre mère m'avait-vous dit à sa maison. Son nom et son titre suffiront, je l'espère, comme adresse. Mais si la lettre lui parvient, saura-t-elle où vous trouver pour vous la donner? Tout le monde a parlé ici du soulèvement de Mantoue contre les Autrichiens. Faisiez-vous partie des insurgés? J'en suis presque certaine. Les nouvelles qui arrivent maintenant parlent d'une vraie guerre qui semble s'étendre à tout votre pays. C'est ce qui me pousse à vous écrire. Vous êtes heureux, je le sais, dans cette révolution que vous avez tant attendue. Mais les récits de batailles qui me parviennent me remplissent d'inquiétude. Écrivez-moi, je vous en prie, que je sache au moins si vous êtes vivant. Vous le savez sans doute. Ici, il a fallu presque une année pour que le choléra disparaisse comme il était venu. Il est monté jusqu'à Paris et l'on a craint un moment qu'il ne gagne la France entière. L'été dernier, je suis retournée à Aix. Tout y a l'air comme avant. Et pourtant, rien n'est comme avant. La maladie y a fait des ravages, plus que dans toute autre ville. On ne peut s'empêcher d'y penser dans les rues où les gens semblent à nouveau si insouciants. Où étaient-ils pendant l'épidémie? Qui ont-ils perdu? Où habitiez-vous quand vous étiez à Aix? Vous ne me l'avez pas dit. Vous dites si peu de choses. Vous avez simplement parlé d'un endroit quelque part, derrière l'archevêché. Cela va vous paraître étrange, mais je crois avoir retrouvé la maison. La lettre de Pauline resta longtemps sans réponse. Elle désespérait d'en recevoir jamais quand, au début de l'année suivante, une lettre arriva d'Italie. Laurent de Théus avait compris bien avant Pauline que le temps n'effacerait pas le souvenir d'Angelo. Il savait déjà que si un jour elle décidait de le rejoindre, il ouvrirait sa main et la laisserait partir.